Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo en partenariat avec le site adiamandpainting.com. J'ai tout simplement fini une toile de chez eux et je vais vous partager mon avis, vous montrer le résultat de cette toile-là. Juste avant, je vais vous montrer un peu la réalisation et les symboles de près de la toile et je vous retrouve après. A trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the. Voilà, vous avez pu voir un peu comment la toile était avant d'être finie. Du coup, j'avais pris cette toile-là pour tester leur carré. Comme vous avez pu voir juste avant, c'était des carrés. Et à ma grande surprise, je suis totalement déçue de cette toile-là. En fait, Adiamond Painting, c'est une marque que j'ai déjà fait plusieurs collaborations avec eux. Et j'ai jamais été déçue, honnêtement. Même pour des motifs qui me plaisaient pas trop trop, j'ai jamais été déçue. Là, honnêtement, je suis très déçue. Alors que c'est une toile que j'ai choisie, hein, mais visiblement, elle me convient pas du tout. Il y a beaucoup de points, donc je vais vous retourner la toile pour vous montrer le résultat final, déjà pour arrêter de vous faire attendre. Mais il y a plusieurs points où je vais devoir vous expliquer. Donc voilà ce que donne la toile. Alors peut-être que vous, elle rend un peu bien à la caméra, en vrai, je suis pas trop sûre. Je l'ai décalé parce que sinon j'arrive pas à voir sur mon retour écran. Ouais, honnêtement, comparé à la toile, enfin l'image, pardon, sur le site, il y a beaucoup de détails qui n'y sont pas. Et honnêtement, ça ressemble pas à ça, quoi. Enfin, là, je suis désolée, mais c'est dégueu. Là, on distingue à peine que c'est une flamme. Ici, je trouve ça très laid, ici, là. Ce détail-là. Pareil ici, ça doit être une sorte de fougère, mais ça rend vraiment pas beau. Là, ça fait un amas, sauf que bah, du coup, normalement, c'est des petites plantes, on va dire ça comme ça. Le cactus, normalement, il a des rayures noires, alors là, il n'y en a pas du tout, mais peut-être qu'ils ont fait ça pour éviter que l'image soit trop floue, enfin trop pixelisée, je sais pas, mais du coup, il ressemble plus du tout à ce qu'il devait ressembler. Et voilà. Après, bon, là, il y a le souci avec la sorte de planète. Mais ça, c'est par rapport à un autre souci que j'ai eu. Enfin, bref. Du coup, là, au niveau du rendu final, moi, j'aime pas du tout. C'est une toile qui est très, très colorée. Après, voilà, hein, c'est pas forcément au goût de tout le monde. Mais j'avais fait exprès de prendre une toile très colorée pour pas avoir trop de mauvaises surprises sur les diamants carrés, vu que je connaissais pas du tout. Et j'ai bien fait parce que honnêtement, ça aurait été avec du fond noir. J'aurais pas du tout aimé. Déjà que celle-ci, j'ai du mal à l'aimer. En fait, ça aurait été une catastrophe. Parce que du coup, leurs carrés, c'est bien ce que j'imaginais. Ils sont quand même bien, leurs carrés, avec du coup leur symbole et leur carré, comment c'est fait sur le dessin. Mais en fait, ils sont pas serrés. Je vais vous montrer de plus près, comme ça vous verrez mieux quand même de quoi je parle. Vous voyez, la pose des diamants, en vrai, elle est quand même bien. Vous voyez, c'est quand même relativement propre. Mais vous le voyez, y a pas mal d'espace. Après, ça peut convenir à certaines personnes. Moi, écoutez, j'aime pas. Parce que vous voyez, là, ça fait des traits. J'aime pas du tout, en fait. Enfin, il y a des endroits, ça se voit peut-être plus que d'autres. Vous voyez vers là, là. Mais voilà, c'est quand même, on est quand même sur des diamants très colorés où normalement il y a moins de soucis que sur du noir, etc. Normalement, ça, vous le prenez chez un vendeur qui fait des diamants carrés très serrés. Vous n'avez pas du tout toutes ces lignes dessinées par les écarts. Mais bon, voilà, je voulais tester leur carré. La pose me convient pas, ça c'est une chose. Vous voyez. Je suis pas là pour cracher totalement sur la marque, hein.
Mais voilà, la pose carrée ne m'en convient pas, c'est tout, c'était pour tester. Voilà, je sais que c'est pas fait pour moi. Par contre, ce qui m'a vraiment déçue de leur part, c'est qu'en fait, il m'a manqué des diamants. Tout simplement pour vous montrer le sachet avec les diamants, il me reste ça. Comparé au sachet que je vous avais montré, qui était bien bombé, etc., là, on est quand même sur du très très fin. Donc, vous avez. Si vous les étalez sur ma table, vous verrez peut-être mieux. Et en plus, du coup, vu que j'ai un fond noir, vous y verrez. On est quand même sur une taille de 30 par 40. Et voilà les diamants qui me restent. Je répète, j'ai 24 couleurs sur la toile. Comment vous dire qu'il y a un sachet où là, il m'en reste 4 des diamants. Je vous mens pas, hein, ça se voit. Il me reste 4 diamants. On était sur le symbole, enfin sur la couleur 14. 14, c'était le E, il n'y en avait pas énormément. Mais quand même, quoi. Enfin, faut pas abuser. Qu'il me reste 4 diamants, bon. À la limite, là, il m'en reste. Donc, moi qui garde pas les diamants, voilà, c'est pas très très dérangeant. Mais en fait, là où je suis vraiment déçue, c'est que j'ai tout ça de vide. Et que c'est des couleurs qui me manquent, en fait, tout simplement. Ou après, il y a un ou deux sachets, il me semble que c'était pile poil, quoi. Mais du coup, j'en ai. J'ai 8 sachets vides. Et du coup, il me manque 7 couleurs, il me semble, de tête. Et que j'en avais un, voilà, c'était tout pile et qu'il reste pas de diamant, pardon. Mais j'ai 7 couleurs qui me manquent. C'est juste énorme. Jamais ça m'est arrivé d'avoir un manque. Autant, enfin d'avoir autant de manques sur des diamants. Enfin, je veux bien que sur une toile, voilà, sur une couleur, ils n'ont pas prévu assez de diamants pour une couleur. Je veux bien pour une DMC du coup. Mais là, ça fait quand même 7 DMC où il n'y a pas assez de diamants. C'est quand même énorme pour une toile 30 par 40. Donc heureusement qu'ils la font pas en plus grande, parce que je pense qu'il va y avoir des manques sur d'autres couleurs hein, au final. Mais du coup, ça, vous inquiétez pas, je vais tout leur signaler dans le mail où j'enverrai du coup la vidéo, donc celle que vous voyez là. Donc je vais leur envoyer, je vais leur expliquer que voilà, faut qu'ils fassent plus attention parce que là, du coup, sur tel et tel DMC, je vais leur préciser aussi, hein, je vais faire mon boulot correctement, que voilà, ils prévoient pas assez de diamants et que j'ai dû remplacer et. Ça rend la toile très très moche en plus de ça parce que du coup c'est des couleurs que j'ai mis vraiment juste pour combler et parce que je garde pas les diamants donc je n'ai pas pu combler avec ce que je voulais, on va dire ça comme ça. Du coup voilà, en fait je suis très déçue parce que je trouve ça un peu pas cool en fait, enfin c'est totalement pas cool, surtout si vous payez la toile vous et qu'en fait vous vous retrouvez avec cette DMC incomplète. Tout simplement. Surtout qu'il y avait des symboles où c'était vraiment les symboles qui revenaient le plus, quoi. Donc, enfin, c'est pas cool. Et en plus de ça, la toile correspond pas parfaitement du coup à l'image. Donc, voilà, quoi. Ça fait quand même pas mal accumuler, mine de rien. Enfin, j'ai été très, très déçue de cette toile et je crois que c'est la première fois que je suis déçue comme ça, honnêtement. Même si j'ai des toiles qui me plaisent un peu moins que j'ai déjà faites, hein. Mais là, ouais, je suis un peu déçue. Du coup, enfin, je suis totalement déçue du résultat. Du coup, en fait, si vous voulez, j'avais des diamants strass en carré que j'avais reçus dans un calendrier, etc. Enfin, je l'avais payé le calendrier, mais pareil, je vous en ai jamais parlé parce que c'était une grosse arnaque. Enfin, bref. Du coup, vous voyez là, ça brille énormément. Je vais peut-être éteindre ça pour que vous voyez un peu plus. Voilà, juste pour qu'il y ait moins de reflets. Vous voyez tout là. Ça, c'est moi qui les ai posés. Là aussi, il y en a quelques-uns jaunes ici. Il y en a un qui est perdu là-dedans. Et toute. Alors, je vois pas avec mon retour, c'est un peu horrible. Tout le cercle là, on dirait un demi-cercle, ce qui est. La lune, en fait, c'est pas une planète, c'est la lune. Non, c'est l'ombre de la planète, pardon. Et bah, tout simplement, ça, tout ça, c'est moi qui ai rajouté aussi. Parce que du coup, j'avais pas assez de diamants, donc je les ai tous enlevés pour recombler avec. Par chance, du coup, je les avais, ceux-là. Parce que sinon, en fait, diamant carré, j'aurais rien eu. Et je pouvais pas remplacer avec les couleurs que j'avais sur la toile, en fait.
Ou sinon, ça allait être des couleurs totalement hors sujet, en fait. Et comme vous le voyez, c'est pas juste, il manque quelques diamants, c'est vraiment qu'il en manque quand même pas mal, quoi. Enfin, je suis désolée, mais dans un kit de Gem Painting, on attend de pouvoir faire la toile, quoi. Donc bon, surtout qu'à Gem Painting, j'ai jamais eu de souci avec eux sur ça. En tout cas, pas que je me souvienne, ou alors c'était un ou deux diamants possibles et que j'ai remplacé par d'autres et que ça posait pas de souci. Mais là, ouais, c'est quand même beaucoup, en fait. Tout accumulé, ça fait beaucoup. Et si vous n'avez pas ces diamants-là, bah, en fait, vous devez y laisser avec les symboles apparents. Donc, c'est pas cool, mais je vous rassure que ça, c'est pas mieux, quoi. Enfin, je sais que ça allait pas du tout, hein, que là, c'est pas joli du tout. J'ai fait avec ce que j'avais. Et du coup, c'est pour ça que la toile bah, me déplaît encore plus. Parce que s'il y aurait des correspondances, un peu des diamants carrés comme ça, avec des strass un peu de partout sur la toile, oui, ça serait moins choquant. Et à la limite, ça pourrait la mettre en valeur. Mais là, je suis désolée, la toile, j'aime pas, donc dans tous les cas, je me prendrai pas la tête plus dessus. Au niveau des diamants, vous voyez, j'ai une petite barquette là. Il y a énormément de violet dedans. C'est en fait tout simplement ce qui était ici et que j'ai remplacé. Mais du coup, il n'y en avait pas assez de ces diamants là. Hein. C'est juste du coup bah, que je les ai enlevés pour les remplacer. Mais vous avez tout ça et il y en a qui sont plus ou moins bien sur le plateau là que vous pouvez voir. Mais pareil, hein, ça ne me suffisait pas à compléter. J'ai tout regardé. Hein. Avant, j'ai pris ma barquette et j'ai regardé. Parce que c'était possible qu'il me manquait un ou deux diamants et qu'ils étaient là, mais pas du tout en fait. Hein. Il m'en manquait bien plus. Et il y a des couleurs qui n'y étaient même pas. Vous avez un rose très très pâle ici. Et ben en fait, il n'y est pas du tout sur la toile. En fait, c'est des restants. Mais bon, ça après, c'est pas très grave. Hein, mais voilà. Et vous avez beaucoup de diamants. Alors, je sais pas si on va voir juste ici. Ici, là, voilà, qu'ils ont bullé. Il y en avait plein dans ce cas-là. Je ne sais pas si là, il y en a d'autres qui sont visibles. Là, j'en vois pas d'autres hormis le vert. Mais ouais, il y avait quelques diamants comme ça qui avaient bullé. Après, voilà, ça, il y en a dans tous les kits, je vous rassure, des déchets. Ça, c'est pas ce qui me choque, surtout que voilà, il n'y en a pas des masses. Si on enlève vraiment beaucoup les violets, il n'y en a pas non plus énormément. Donc, ça, j'ai rien à dire dessus. Moi, ce qui me déçoit, c'est du coup qu'il m'a manqué des diamants et que l'image ne correspond pas totalement à ce qu'on voyait sur le site. Après, je sais bien que le diamond painting, c'est pixelisé, qu'ils ont dû faire de leur mieux pour que l'image rentre bien. Mais voilà, je suis pas trop fan, c'est un peu trop pixelisé. Peut-être qu'en plus grand, elle aurait été mieux. Mais d'un côté, heureusement qu'il n'y avait pas plus grand et que je ne l'ai pas prise plus grande parce que les diamants ne me plaisent pas aussi à la pose. Mais ça, comme je vous l'ai dit, je peux pas le reprocher à la marque. Voilà, j'ai voulu tester. J'ai testé, c'est pour ça que j'ai pré-coloré. Donc voilà. Par contre, voilà, je vous préviens juste que sur cette toile-là, bah, moi, je n'aime pas. Et que voilà, j'ai eu un petit souci. Je suis totalement transparente avec vous. Par contre, ce qui est des symboles et de la colle, j'ai eu aucun souci. Pas de rivière, rien du tout. En plus, j'avais bien mis le papier quand je l'ai reçu. J'avais bien replaqué le papier transparent dessus. Et franchement, quand je l'ai pris, j'ai diamanté, elle était totalement plate et c'était hyper agréable à faire. Aucun souci, même pas un petit pli de colle ni rien. Aucun, donc franchement là-dessus, rien à dire. La toile, pardon, en elle-même est épaisse. Sur ça, il n'y a vraiment rien à dire. Et je suis déçue du coup que sur cette toile-là, il y a eu un petit souci. Je sais pas si entre-temps ça a déjà été signalé, qu'ils ont modifié, je sais pas. En tout cas, moi, comme je vous l'ai dit, avant, je vais le signaler. Et puis, je verrai ce qu'ils disent du coup. Et si jamais, je vous donnerai un peu des nouvelles dans une autre vidéo ou dans un prochain partenariat avec eux. Je vous ferai un petit rappel ou je vous dirai un peu ce qu'ils m'ont dit si jamais il y a une fuite. Voilà. En tout cas, je vous ai montré la toile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez des questions ou que vous voulez donner votre avis sur la toile ou que vous avez déjà commandé chez eux. Peu importe. Les commentaires sont là pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!